Le secteur du bâtiment, longtemps en crise, souffre davantage ces jours-ci avec des répercussions sur la chaîne des valeurs du bâtiment de travaux publics BTP en sigle. En effet, avec les difficultés liées à l'approvisionnement en ciment, quelques rares chantiers domestiques ayant repris prennent le coup et sont désormais à l'arrêt. Ce jeune Congolais participant dans la chaîne du bâtiment dit traverser des moments difficiles. Vraiment, la période là, elle est très très difficile. Et moi, je comprends. On parle que c'est un problème de ciment qui font ça. Mais sinon, sur le terrain, j'ai vraiment des difficultés. J'encadre ici plus de 12 personnes. Elles sont payées journalières. Donc, tous les jours, il faut leur payer quand ils travaillent. Et moi, ils sont en difficulté maintenant parce que, comme il n'y a pas de ciment, les dépôts sont vides. Et du coup, il n'y a plus des acheteurs. Alors, je suis en train d'accumuler les pontages des enfants. Alors là, ça me fait vraiment très mal. Je ne sais pas si le gouvernement peut voir ce problème pour arranger un peu le problème de ciment là qui est en rupture. Nous sommes en train de souffrir. Il explique que plusieurs professionnels du bâtiment ne sont plus actifs à cause de la crise. Tel que moi, personnellement, ça ne marche pas. Je n'arrive même pas à m'organiser, quoi, parce que je suis en train de... Que ce soit les maçons, ils sont dans le même problème parce que c'est le ciment qui fait vivre la nation. Quand il n'y a pas la construction, vraiment, nous à terre. En attendant la reprise, les acteurs du secteur sont obligés de jongler avec les mauvaises surprises, tel le cas d'approvisionnement en ciment aujourd'hui, déploré par quelques-uns rencontrés sur le terrain.